pas vraiment. C'est, on en entend parler, mais c'est pas toujours difficile. C'est toujours difficile à définir. Qu'on voit le plus, qui est peut-être la plus significative, c'est celle des mains. Alors, je connaissais la polyarthrite, mais pas forcément rhumatoïde. Et j'ai mon jambe qui est atteint de polyarthrite invalidante. Et donc, c'est vrai que je m'informe savoir quels sont les progrès en médecine. Donc, il a du mal, quand il est en crise, à descendre les escaliers. J'en avais entendu parler, mais j'avoue que je ne m'étais jamais arrêtée dessus. Un sujet jeune, âgé, c'est très handicapant. Ouais. Et vous connaissez certainement des gens. Oui, j'en ai dans ma clientèle, je suis médecin. Ouais. Et donc par exemple, vous pouvez ouvrir cette bouteille d'eau. Oui. Vous pouvez me montrer un peu la facilité que vous avez. C'est bon, ça va, elle n'est pas trop dure. Voilà. Voilà, donc ça c'est un geste qui peut pas forcément être évident à réaliser pour les personnes qui souffrent de polyarthrite. Faites de la bouteille d'eau, il n'y a pas longtemps que je le sais, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir que si on tourne là-bas, c'est mieux que d'essayer de l'ouvrir par le bouchon. On a une communauté solidaire. Oui. C'est des actions toutes simples. C'est parfois envoyer un mail à transférer bien pour sûr, sensibiliser ça. À la maladie. Tout vous seriez d'accord pour sensibiliser un peu à cette maladie? Des fois, c'est des choses à imprimer pour en parler autour de vous, en d'accord. fait. Voilà. Bon. Alors, la petite collerette avec toutes les informations. Voilà. Merci, bonne journée. Oui, tout à fait. Votre entourage. C'est quand même quelque chose qui est quand même important. Et au quotidien, ça ne doit pas être rigolo de vivre ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de soucis.